Do I at least pay my giveaway winners? That's all I need a loan. To, since you're public figures. Don't blink, it's your boy Ink. Welcome to the video, welcome to the show. Guys are doing well, guys are having a fantastic freaking day on this 10th August 2024. We got a busy day today. We got a busy day. We're about to be live for 45 minutes. It is 8:50. I'm just getting back from my father's house. We have to be there at 10 o'clock for a for that event. So yeah, so it's gonna be a cool live. It's gonna be a cool 45 minutes live. You guys were crazy yesterday. You liked it so much. We had so many people in. So super super thankful for that. I'm gonna try to do the same thing today. See, that's what happened. Thanks for that, Jacob. Thanks for the likes, bro. Appreciate you. Super kind. Super, super kind. Hope you're doing well, Jacob. So pretty cool day. Went to my father's house, had a little supper, which was nice. That's why we're not eating. I usually always eat on the live stream. I don't. it's weird not having food. However, I ain't about to break no rules. Ain't about to break no tradition, right? We're about to eat this wonderful, delectable caramel, salted caramel ice cream. Got A52. Jacob, if you're playing Fortnite, do not forget the event tonight. I don't know what time the event is. I'm hoping we're going to be able to do it. I'm hoping that we're going to be able to get it. But I don't know. The truth is, I don't know. Guys, please tap the screen. Tap the tap for likes. Thank you. Super excited for tonight. I don't know what it's going to be. I have no idea. I know it's a Marvel, right? It could be Deadpool. It could be... I don't know. I have no clue. See, the thing is, we have a bad bling, which is Wolverine, right? So it could be that? Could it be something else? I don't know. I have no clue. I do not know. I don't care what you think, cause the whole earth is about it. I'm super excited for what we're doing. Super excited for content. It is a beautiful day. And there's a lot going on. There's a lot that we can do. There's a lot that can happen. And it's just a good time. It is a good time. Talk about somebody that could add. And yeah. Yeah. It's been a fucking while, dude. Nervous. Nervous because I don't want to miss the event. We got up at 2 o'clock. Yeah. At 9:40, we're gonna start logging in for Fortnite. That's the way that we do it. That's the way we have to do it. Super excited though. It's gonna be fun. It's gonna be really fun. And there should be more live tonight. Yesterday there was no live on TikTok because a lot of people had problem with their electricity. Thankfully I didn't have any problem, which is a blessing in itself. I do have to download some shows if I have an electricity outage. That is gonna be a problem in itself. Kamikaze Gaming, always a pleasure. Montréal Olivier, c'est clair, j'apprécie beaucoup. Cassie, how are you? Yeah, so we're doing today. We're doing good. Everybody's okay. Everybody had some rain yesterday. The rain was caused by a whatchamacallit? An ouragan. What is it in English? Like, it's not a tsunami. Tsunami is like a big wave. I don't know how to call it. It's like a storm. It's not that. It's a hurricane. Maybe it's a hurricane? It's with water. A typhoon. Yes, sir. I guess it's a typhoon. Typhoon or tycoon. I don't know. I think it's a typhoon, though. And yeah, we had remnants of a typhoon that hit America because we're the neighbors of America. Good morning, USA. I got a feeling that it's gonna be a wonderful day. The sun on your eyes and the smile on your face. It's a good day, dude. So that's gonna be it. Did I just sing? Yeah, I did. I did, bro. I did. I'm a singer, right? Horrible singer, but I still sing. Guys, if you're here, please do like the live. It does help getting more people. The more people we have, the better the conversation. The better the conversation, the more fun everybody has. Thank you very much for this pet talk. Want some of y'all? Want some ice cream? Anybody? Everybody? I got coffee ice cream. Not my favorite. I did prefer the salted caramel. Let's be kind of honest. Over here, but still pretty good. Still pretty good. It's a fact. I can cap. I have to be doing live earlier because my team, my people are sleeping.
Right. That's funny. That's what happens when you have a lot of people from another place, like Morocco. They go to sleep hella early, and we're in a position where there you go, Mason. The goat. Always a pleasure. If you like people, thank you for the like. Appreciate it. I want to go live. Like tomorrow's gonna be a good day to go live because I have to go for a couple more hours tonight. The goal is to exactly that. Tonight the goal is to do a live on TikTok after hours because I need to get some of those clips out. It's not gonna be a big live because you see my screen is broken. I wanna have a screen that's working, and that's the goal. The screen is working. We have two phones there, so it's good. Yeah, tomorrow's gonna be busy because I have to do clips. I was supposed to fix the stream. Since I didn't fix the screen, we cannot do a clips. And since I cannot do clips, I'm behind and I'm losing possibility to make clips. I'm going to. Whoa, Mason, no way. That is hella cool. Don't be careful tomorrow. It's supposed to rain hard. And Montreal tomorrow. Hi, Dan. Please shout me out. You're so fun. Well, thank you, M. My name is not Dan, but amen. Shout out to M. One of the coolest people that came in today. One of the kindest people that came in today. Please follow her. She seems super sweet. You have to see my grandma. Oh, that's nice. You tell your grandma I say hi. I say bonjour. And say it with a French accent, please. Because she has to know it's for me. Otherwise, she's not going to believe you. Mason, are you the one saying hi? You really have a friend. But if you take a English accent, she'll believe you. Wow, my grandson has amazing friends. It's okay to tell me. I'm in a good mood today. Mostly because of the energy drinks and the ice cream. Y'all want some? There's no problem, M. Why are you live with less than 10? Let's see, who asked this? A person with 10 followers. I don't know, bro. I don't know. Why do we do anything in life? Why do we wake up? Why do we breathe? Why do we drink water? Why do we watch movies? Because we have to. If we don't do it, can't survive. And I will not live or just survive. I want to live. And my pleasure. Mason, I'll see you tomorrow. I'll stalk you tomorrow. I know where you're from. So I'll go with the bosses. I'll check the boss where they are. I'll take my binoculars. And I'll check it out. I'll check out where you are. Ah, this is Mason. I hope he doesn't see me. Appreciate the like, Giuseppe. Always a pleasure. Always a good thing that you guys are partaking in the life. It's fun that you guys are included, and the fun that the free way for you guys to get included. It's always the case. I don't know if there's so for example, like on Twitch, you can watch the ads and it does something, right? But on other platform, it's harder. May, what is your favorite movie? What a good question, May. I'm gonna have to go with possibly Fight Club, because I think it's amazing. Fight Club is one of my favorite movie. It's actually really, really good. But if you want something more, a bit more, we're gonna have to go with something a bit more recent. We're gonna possibly gonna go with what can I say recently? Something that really I don't know. Lulumon, thank you for the Lulu Moon. Thank you for the share. Appreciate you. I don't know. It's a hard question. What about you? What is your favorite movie? Please let me know. Where are you from, Brad? I live in Montreal. So Montreal, Canada. French Canadian. As you can say, Lulumon. Hi, how are you? Do you speak French? Mai, écoute, mai. Moi, je parle français. Écoute, je parle pas français, je parle francophone. Parce que, tu sais, dans la vie, là, non, j'ai été élevé en français. Fait que oui, je parle français, mais je parle pas le français parisien, je parle français montréalais québécois. Moi. Brad, thanks for the followers, appreciate you. Nerve is my favorite movie. Lulu, I have to admit you, I never watched Nerve. But if you're recommending, and if you're like, oh, Inky, please tell me more about, tell me if you like Nerve. And you say, if Lulu says Inky, Nerve is the best movie ever made, maybe I'll watch it while eating popcorn. For reals? Okay, well, is it amazing with popcorn or without popcorn? Because it's a big difference. Lulu, guess what? You got yourself a follow, first of all, because you're a flippin' sweetheart.
Okay. Second of all, you got another person watching Nerve. Mais, ben voyons donc, tu parles français toi aussi. Ben voyons donc, tu es de quelle région, mais? Écoute, si t'habites à Montréal, là, ouais, si t'habites à Montréal, la Chine, là, on est voisins, Sifi. Hein, Sifi? Je suis à Lévis, moi. Nice, Brad, nice. Lévis, man, ça, c'est Québec, ça, c'est la ville de Québec, là. C'est qu'on est rivales, là, les Nordiques versus les habitants. Ah, ok. With popcorn and coke. Yeah. Okay, so, thank God you said coke, because if you said Pepsi, I would have been like, ooh, have no taste. She likes Pepsi over coke. Yeah, no way I'm watching this movie. It's probably horrible. But because you said coke, now you make me believe in your taste. So yeah. Vers Québec, ben voyons, Maï, c'est bien le fun, ça. Ben enchanté, Maï, c'est un plaisir. Enchanté, Brad, c'est un plaisir. Ouais, Brad, toi pis t'es nordique, là, écoute-moi bien. Les habitants de Montréal, là, c'est bien meilleur. Zineb, merci beaucoup pour le partage. Super gentil, la petite Zineb. Un petit amour, ça fait là. Coke égale Pepsi. Pepsi low-key tastes like shit. So, guys, if you're eating, please turn off the live. If you're not eating, you're gonna have a crazy thing. Pepsi. Okay? Pepsi. Okay? Pepsi was originally a cleaning product. You can Google it. After you Google porn, you can Google it. Je te jure, Brad. Mon film préféré, c'est Titanic. Ah, ben là, écoute. Titanic, c'est bon, sauf que, genre, sincèrement, j'adore Titanic, mais le problème avec Titanic, c'est que Jack aurait pu survivre, là. Regarde-moi bien la porte. La porte, OK, elle avait la place. Elle avait vraiment mal la place. Fait que la petite francophone, la petite fille, là, elle aurait dû laisser mon grand chum Jack survivre. Parce qu'il n'a pas laissé survivre, ben là, moi, je trouve que c'est un film qui est pas super. Tu sais? C'est pas cool. Pas cool. Save Soldier Jack. Hi, Ad. How are you? It's always a pleasure. Guys, on ajoute Ad, c'est une fille phénoménale. Raw 2016 is also a great movie about cannibalism. Okay, cool. So the movie you're basically recommending me is a movie where we eat human. And then you're gonna tell me, oh, Ink, we should grab coffee. And then you're gonna give me a lot of recipe, you're gonna fatten me up, and you're gonna Ansel Gretel my ass. So, no thank you. If you want to see a cool Canadian horror movie, you can watch Tusk. T-U-S-K. Chef kisses. Kisses, chef. What do we have here? Zineb, c'est toujours un plaisir, ma grande. Comment vas-tu? Maï, je sais. Oh, hi, Jessica. Jessica, which is one of my very first person that I had a conversation with on TikTok Live. So she's in my heart, royalty. I fucking love Jess. So if you can please follow Jess. Yeah. The Gold, what's up, The Gold? How are you? Salut, Huda, coucou. Comment vas-tu, ma ref? Ad, comment vas-tu? Ça fait longtemps, Ad. On s'est pas vu hier, puis je t'ai cherché. J'ai fait comme ça. Non, Ad? Ah, Ad. J'ai vu Ad. Do you speak French? I speak French too. Je parle français, mais ça dépend. Ça dépend s'il y a des gens qui parlent anglais dans le live. If there's people that speak English, I speak English. If there's more people that speak French, on parle français. Pas français, mon chum. I do. Speak French too. Ouais, ça va bien, ça va super bien, merci. Ça va extrêmement bien, mon homme. Ain't no way you speak two languages and your French is a little bit weird. Oh, ben merci beaucoup, The Goat, c'est bien gentil, ça. Voyons donc, c'est bien gentil, ça. Hey! C'est bien gentil, ça, mon The Goat. Listen, Goat. Listen. Je parle français, ok? I speak also English. Yo hablaré ruski, da? Me habla un poquito de espanol. Ma verbeche romanesque. So yeah, so when you speak five languages, little accent is the least of your problem, my dear friend. Ben moi, ma maison est vers Brossard et à côté du truc CN. Okay, so basically, avoid Brossard. Parce que Brossard, c'est une place parce que les gens écoutent des films de cannibales. Fait que Brossard, dans la liste des places à visiter. Liste des places à visiter. On a Lévis, donc ça c'est cool. On a les crêpes à mon père. Okay, cool. On a Brossard. Ugh. Brossard, on enlève Brossard, tu sais. My name spot was so well, you can find me. Yo, j'ai cherché partout, là. J'ai dit, voyons, j'essaie d'appeler. Ad, où es-tu? Ad. Personne.
Fait que là, je dis, elle joue à cache-cache. Elle joue à cache-cache. Fait que là, je me suis dit, hey, on va la trouver. Bonsoir, Jeffrey Dahmer. Imagine écrire ça, comment c'est un petit peu spécial, mon chum. L'aimant Machiavelli, là, c'est un petit peu spécial. C'est pas très machiavélique de ta part, mon chum, là. Pas très machiavélique. Bonsoir, c'est aussi pire que Limoilou. Ben, écoute, du monde de Limoilou, là, accote-moi bien. Quand t'es né à Limoilou, ça va mal. Ça va mal en maudit. Ça va mal. Je vais être à la Chine, qui est clairement le quartier le plus élitiste de Montréal. Un groupe d'élite. Tu connais? On est l'élite de Montréal. C'est pas pour être méchant, mais qui veut la crème glacée? Parce qu'il m'en reste plein. Personne, ok? Plus pour moi. Plus pour moi. Guys, on va cliquer l'écran, on va cliquer le live, on va apprécier le live, ça va mettre plus de monde, ça va me donner la visibilité. On va grandir ensemble comme une belle petite famille, beau-frère, belle-sœur, la belle-mère, le beau-père. On va cliquer like dans le screen, ok, parce que ça m'aide. S'il vous plaît, merci beaucoup, c'est gentil. C'est qui le premier qui me rejoint? Oh, personne. Est-ce que je fais ça tout seul? Pas sûr. Je comprends que dalle de quoi tu racontes, mon pote. Le man, c'est pas grave, mon homme. T'as besoin de tout comprendre, mon chum. La vie, c'est fait pour vivre en faisant des questions. Le plaisir de la vie, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie. C'est d'apprendre comment vivre, c'est d'apprendre le bonheur, comment le chercher. Plus de questions que tu te poses, le mieux c'est. Quand t'as de te poser des questions, t'es satisfait. Quand t'es satisfait, t'avances pas dans la vie. Fait que pose-toi des questions, mon chum, ça va t'aider. Tu veux de la crème glacée? Ok, ben, tiens mon bread, approche mon bread, approche. Tiens mon grand. Ah, pas de quoi, le man, mon ref. Oh fuck, ya. Yeah. Mes Québécois sont très difficiles à comprendre. Tu comprends? Quelqu'un qui vient ici, man, pis qui dit des affaires stupides comme ça, là. Son premier texte, c'est, oh, salut, Jeffrey Dahmer. Tu sais, c'est des imbéciles dans la vie, là. C'est du monde qui n'a rien à faire. C'est du monde qui s'appelle Machiavelli parce que c'est, oh, je suis un gros méchant, je suis machiavélique. Machiavelli, là, il s'est fait tuer. Comprends-tu? Son plan n'a pas marché. C'est que tu suis un gars qui n'a pas marché. Tu peux dire qu'est-ce que tu veux. Ça passe ici, ça passe là. Puis, je comprends, je sais pas si tu te rends compte, mais le reste du monde sont bien contents de comment je parle. C'est le seul qui se plaint. D'habitude, c'est le seul qui se plaint. Dans une salle pleine de personnes, le problème, c'est pas nécessairement la personne, c'est peut-être toi le problème. Tu vois, je pourrais te muter, je pourrais juste te bloquer, mais ça va me donner de la visibilité. Fait continue de parler, man. Ça me fait plaisir. Ad qui est de retour avec le Wi-Fi de Postspair. J'ai pas dit ça que je suis méchant. Non, t'as pas dit que t'étais méchant, mais comment tu agis, comment tu parles avec les gens, ça, c'est beaucoup comme ça qu'on va voir si t'es quelqu'un de bien. C'est la première impression que tu donnes. Fait que si tu rentres dans un live et tu dis Jeffrey Dahmer, qui est un tueur, qui est un meurtrier, peut-être pas cool. Si t'appelles les gens québécois, québécus, c'est peut-être pas cool. Fait que tu peux penser que t'es pas méchant, mais comment tu parles et comment t'agis, ça prouve autrement. Change ton agissement, tu vas changer la perception des gens avec toi. Puis là, quand personne n'est genre avec toi, ils vont donner une chance. Ils vont donner une deuxième chance, une troisième chance. Parce que présentement, mon homme, là, il n'y a pas grand monde qui t'aime ici, là. J'ai pas grand monde qui t'aime ici. Non, mais ça ne dérange pas l'humour, man, mais c'est juste que tu rends les gens inconfortables. Regarde avant. On a une conversation avec les gens. Les gens qui parlent, les gens qui communiquent avec nous autres. Puis t'es arrivé, tu parles, puis là, soudainement, il n'y a personne qui parle. Pourquoi tu penses? J'ai déjà fait mal à l'aise, mon homme. Ça, c'est pas ma faute. Ça, c'est ta faute, ça. Fait que... c'est pas super. Moi, je sais pas qu'est-ce que tu fais, là, mais c'est pas super. Moi, j'éviterai. Encore une fois, tu sais qu'est-ce que tu veux. C'est un pays libre. Que ce soit ton pays, le mien, c'est un pays libre. Tu sais qu'est-ce que tu veux. Juste que t'es pas à bonne place. En tout cas, guys, on va like le live. Ça donne la visibilité. Ça aide. À la visibilité de la chaîne, puis on va grandir ensemble. On est à 7396 abonnés. On va se rendre à 8000. Il faut, j'aime pas attaquer les gens, mais si tu penses à une attaque, désolé frérot. Non, moi, c'est pas nécessaire, man. C'est pas nécessaire. Moi, à mes yeux, man, tu peux être super gentil présentement, mais. Tu peux être super gentil présentement, tu peux être. Garde, présentement, t'es super gentil, mais. T'as quand même commencé extrêmement négatif.
Moi, dans mon live, je laisse que le plus que tu écris, le plus que ça aide la chaîne, tu comprends? Fait que le plus que tu vas commenter, le plus que tu vas écrire des débilités, des dingueries, ça m'aide moi. Tu comprends? Mais si c'était pas le cas, je t'aurais déjà bloqué, là. Je t'aurais déjà mute. Tu comprends? Abby, how are you guys? Abby yesterday brought the live to 10,000 likes. She is a machine. We're all gonna applaud Abby for the good work yesterday. Thank you, Abby. Thank you for the likes. Appreciative. How are you, Abby, today? Are your fingers okay? Because yesterday you tapped like a mad girl. Like a mad girl. Stud. Stud, bro. Mais j'ai-tu raison, bref, ou j'ai pas raison? J'ai-tu raison, man? Dis-moi, là. Puis qu'est-ce qui me fait chier, c'est qu'il y a du monde qui mérite pas ça, là. Je veux pas avoir cette conversation-là. Je veux avoir des conversations positives, tu comprends? C'est un petit peu dommage, l'ambiance qui change comme ça. Good, 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 good. Did you have by any chance a problem yesterday, Abby, with the weather? Because over here it was crazy. Even right now it's raining. It was sincèrement, bro. Je vais pas être méchant, mais le gars est arrivé puis comme avec une mauvaise attitude là. Puis bro, c'est pas nécessairement le fait que ça me dérange parce que ça aide la chaîne là, mais le monde québécois là, toi aussi t'es québécois là. Tu comprends? Puis je vais pas le bloquer parce que je m'en crois, qu'est-ce qu'il dit là. Oh, Abby. I didn't ask where you're from, Abby. Tell me about you. Because yesterday, oh my gosh, see? You've been here for how long? You've been here for a couple minutes, right? And, dude, you're already... dude, it's amazing that you've been here for a couple minutes and it's already 1K. Please, Abby, do not feel obligated to do so. Do not feel like you have to click on... I am grateful, but it shouldn't be only... when you shouldn't feel obligated to do so. Do so if you like. Do like if you like. If you don't mind, of course, because it does help. But if you feel obligated, that's not the case. And I do not want you to feel obligated because you're a sweet person, Abby. And I know we met yesterday, but so far it's nothing but positive. So yeah, do as you wish. It's okay to tell me. Oh man, I should have put some music. I should have put some music, right? Not for you guys. Well, because I'm gonna get copyrighted. I'm recording for YouTube. That is the way we do. So let me get a bit of water. Alex and Bo, always a pleasure. What's up, my boy? It's okay to tell me what you think about me. I won't try to argue. Machiavelli. Les gens qui parlent tout seul, ça me fait plaisir. Parle tout seul, mon homme. Tu parles tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu parles tout seul, il y a personne qui est d'accord avec toi, il y a personne qui t'aime ici, man. Tu perds ton temps, t'es malheureux. Tu dis que moi, je suis malheureux, tu dis que moi, j'ai pas ces affaires dans ma vie. Tu dis que moi, j'ai des mal à ma vie. Mais regarde, qu'est-ce que toi, tu fais, man. Regarde, qu'est-ce que toi, tu fais. Toi, tu es en train de répandre la haine. T'es en train... Mais justement, man, une chance, c'est parce que personne t'écoute. Quand tu parles, le monde t'écoute pas. Parce qu'ils savent que t'es pas correct, ils savent que t'es pas une bonne personne. Tu comprends? Tu dis que moi, j'ai des problèmes, mais t'es dans un live, ok? Ou est-ce qu'il y a personne qui est d'accord avec toi, personne qui t'encourage, personne qui répond à ce que tu dis, puis t'es en train d'écrire des stupidités, des de la négativité. Tu comprends? Il y a personne qui t'intéresse, personne. T'intéresse personne. Si là, de quoi j'ai rien, ok? T'as pas besoin de comprendre. Bradley parle avec moi, ok? Bradley parle avec moi. T'as pas besoin de comprendre. Puis cherche-le pas. Bradley, encourage-le pas, mais c'est un imbécile, ce gars-là. C'est un imbécile. Brad, n'embarque pas. Brad, moi pis toi, man, on a une conversation. Ce gars-là, c'est un idiot, man. Ce gars-là, c'est un verre d'eau dans la salle, là. Y'a pas grand-chose qu'il peut faire. Y'a pas grand-chose qu'il peut faire. Pis le plus drôle, man, qu'est-ce qu'il va faire demain, Brad? C'est quoi le plus drôle? C'est que demain, ok? Demain, il va venir dans le live, il va faire la même affaire. Il va faire la même affaire. Pis encore une fois, tout le monde va s'en colisser. Il est triste, Brad. Il est triste, ce gars-là, il est triste. Il a des problèmes personnels, il a des problèmes mentaux. Tu vas rien changer, man. Mais, tu te rends moi, mais c'est un buzzé de la vie, là. C'est un excrément, là. De la vie, ce gars-là, là. Puis Machiavelli, tu comprends? Il garde, maintenant, il cherche la chaîne, tu comprends? Fait que le gars, il est juste dans sa bulle, puis il est bucké le gars. Il est bucké en aussi, man. Puis la seule affaire qu'il va faire, man, c'est qu'il va répandre la haine. Mais tu comprends qu'il répand la haine parce qu'il s'aime pas. Il s'aime pas, ce gars-là. Ce gars-là, il regarde dans le miroir, puis il s'aime pas. Il aime pas qu'est-ce qu'il voit. Ici, il est triste. Parce qu'il est triste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller fâcher les autres. Mais à la fin de la journée, man, Brett, tu veux savoir un secret? À la fin de la journée, moi pis toi, man, on sourit.
Mais quand le live va terminer, là, ce gars-là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire, ce gars-là? Mais dans un autre life, il va faire la même affaire. Parce qu'il est triste, il est malheureux. Connor, how are you, my dude? How are you, Connor? Always a pleasure. Guys, follow Connor, please. Such a good dude. Always a pleasure, Connor, to see you. How is your day, my boy? Le gars, il fait des résultats, puis il sait même pas quoi dire, vu que t'as rien fait. Juste, bro. Moi, je m'en calisse. Le gars, man, c'est pas une question de follower, ok? Mais le gars, c'est un triste de la vie, là. C'est un triste de la vie, mon homme, là. Tu sais? Il y a aucune. Il y a rien à faire de la vie, là. Mais tu sais, moi, là, en fin de compte, là. tu vois? Une perte de temps pour moi et pour lui. Sauf que la vraie différence, c'est que moi, je veux faire de l'argent là-dessus. Tu sais, le live va me faire de l'argent. Tu comprends? Puis il perd son temps. Fait que c'est comme, si tu veux, moi, je suis caissier. Ça, c'est le client qui comprend pas que ça marche pas. Moi, je suis payé. Puis lui, perd son temps. C'est pas un problème pour moi. C'est pas un problème pour toi, Brad. C'est pas un problème pour Carl, parce que Carl ne parle pas français ni anglais. Il y a rien qui change. Puis tu vois, Brad, déjà, Brad, t'es meilleur parce que toi, tu parles français, tu parles anglais. Fait qu'est-ce que je pourrais juste faire, c'est juste changer en anglais. Fait que tu connais. Ouais. Puis le gars, qu'est-ce qu'il pense qui est vraiment cool? Le gars, sûrement qu'il veut que j'aie une réaction parce qu'il va poster la réaction. Il va prendre le clip de la réaction, tu comprends? En prenant le clip de la réaction, il va mettre la visibilité sur la chaîne. Ce qui est incroyable, en fait. Fait que, ouais, fait que tu fais juste pas participer. Il va se tanner. Le gars, c'est la seule affaire qu'il peut faire. C'est fâcher les autres. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis lui, il est triste. Fait que, genre, ça fait du contenu, c'est les. Ouais, exactement. Exactement. Tu comprends? Puis à la fin de la journée, man, à la fin de la journée, toi, tu vas avoir une belle vie. Moi, je vais avoir une belle vie. C'est l'important, man. C'est pas maintenant qui est important, man. C'est pas aujourd'hui, live, qui est important. C'est demain qui est important. C'est la semaine prochaine qui est important. C'est le mois prochain qui est important. C'est le mois prochain, man. On va être tout seul content. On va être content. Ouais, y a pas de vide. Moi, je sais, man. Moi, j'ai vu, man. Yo, le gars est arrivé, puis la première chose qu'il dit, c'est qu'il parle d'un meurtrier. Tu comprends? Faut être triste dans la vie, là. Faut rien avoir à faire de sa vie, là. Hey, mon homme! tu te rends-tu compte que c'est un samedi soir, 9h du soir? Hein? Il y a du monde qui sont en train de faire la fête, il y a du monde qui sont en train de boire avec des amis. Il y a du monde qui porte des belles soirées. Puis le gars, il est dans un live avec 5 personnes. Tu comprends? Puis il est à 5 personnes. Puis il est en train d'essayer de mettre la merde. Tu comprends? Un samedi soir, là. Il y a du monde qui s'amuse, il y a du monde qui boive, il y a du monde qui parle ensemble. Fait pas de façon comme moi pis toi, Brad. La raison sur calice, là. Tu comprends? La raison pour moi, c'est un calice, man. C'est juste, moi, je me sens juste triste pour lui, là. Moi, ça changerait dans ma vie. Tu comprends? Je me sens juste triste pour lui. C'est son choix, man. Il fait qu'est-ce qu'il veut, c'est sa vie. Il la gaspille, mais c'est sa vie. 9h07, ça va aller genre, ouais. Le gars, il est en train d'être dans un live. Bro, le gars, il est dans un triste. Bro, le gars, il est dans un live en train de mettre la merde, là. Tu comprends? Puis en plus, je sais pas si tu te rends compte, mais quand tu fais un live, okay, quand tu fais un live, ils vont dire, ils vont faire un résumé de ton live. Ouais, ils vont dire, oh, ce live-ci a reçu 95, 97, 97% plus des commentaires que les autres lives de ce genre-là. Fait que ça donne la visibilité, puis l'algorithme, il voit ça. C'est vrai? Les algorithmes, ils voient ça, que le populaire, que le live est populaire. Puis quand t'as des lives, fait que tu comprends? Toi, t'es à Montréal comme moi. Toi, t'es à Lévis. Ok, t'es à Lévis, mon homme. Mais, je m'excuse. La réalité, c'est que le live a été représenté pour toi parce que on est du même coin, tu vois. T'as même pas idée comment ça va être, mon homme. Même pas idée. Yo, il y a quelques jours, même j'ai reçu, il y avait beaucoup de likes, tu vois. Puis il y avait beaucoup de monde, puis l'algorithme, il voit ça comme une espèce de, je sais pas comment tu peux dire ça, c'est une espèce de, interaction. Fait, c'est comme quand tu vas sur YouTube, man, puis tu cliques like. Ça aide la personne, tu comprends? Mais TikTok, mettons, à Lévis, tu comprends? Il y a du monde en masse, là, qui font des lives, là. À la même heure, tu peux avoir 20, 25 personnes, tu comprends? Puis là, les premiers qui vont te présenter, c'est ceux que tu suis. Merci, what the fuck, how are you? Thank you for the roses, appreciate you. Super kind. C'est les lives qui sont augmentés, puis c'est les lives que tu pourrais aimer parce qu'ils sont populaires.
Fait que là, tu comprends que, genre maintenant, ok, on est en live depuis 30 minutes, depuis 29 minutes 47, puis on a eu 353 viewers. Tu comprends? D'habitude, même j'en ai 150-200. Fait que le gars en train d'écrire, il m'a donné le double de viewers. Tu comprends? Fait que ce que moi je fais, je le pousse, puis il réagit. Le gars, il. Dude, le gars, il a rien fait là. Merci, Judica Girl. Appreciate the kindness. Even though it's not real, the intention is there. Yo, il carré en esti là. Yo, ce gars-là, il a fait plus que moi que 1.4 likes là. Ce gars-là, il a fait plus pour moi que la majorité du monde ici, man. La majorité du monde ici, c'est incroyable là. Fait qu'en fait, man, le gars, il m'aide là. Ça rend juste pas compte. Un petit peu bucké, hein, comme on dirait en francophone. Un petit peu bucké, le gars, malheureusement. Pour lui, pour nous, on fait calice, là. Puis toi, tu sais quoi, Brad? Je sais que t'es un bon gars, je sais que tu veux que je réussisse. Fait que, si t'es content que moi, toi aussi, t'es content que moi j'ai plus de viewers. Right? Fait que t'es content, moi, je suis content. C'est une belle soirée, man. C'est vraiment une belle soirée. Vraiment une belle soirée. Je veux que, let me follow you. I don't think we have talked before. What the fuck is Judica? Appreciate it. Yipper. Fait que bref, parle-moi de toi, man. T'aimes le hockey. Qu'est-ce que tu penses des Canadiens cette année? Arrête avec tes nordiques, là, Brett, là. Avec tes nordiques, t'arrêtes, man. Les nordiques, c'est fini. Ça arrivera pas. Ça arrivera plus, mon chum, là. C'est fini, les nordiques. Reviens-en, man. Tourne la page. Abby, welcome back. Always a pleasure, Abby. Brett, ça arrivera pas, man. C'est comme les expos de Montréal, les expos, là. Sont morts puis enterrés, mon chum. Abby, let me thank you with a spoonful of ice cream. Oh, Brad ate it. J'étais pas né dans les... T'es qu'est-ce que t'es mes parents? Ok, good. Si jamais je rencontre tes parents, je vais dire... Oui. Je vois tes parents, man, je vais juste leur dire, hey, les Nordiques, c'est fini, là. Ils vont dire, c'est qui, toi? Je dis, c'est important. Je regarde ton fils, puis ton fils, il y a encore l'espoir pour les Nordiques, ok? C'est pas correct de mentir à ton fils. Hey, CP5, mon homme, sacrifice, mon homme. C'est répissant aussi que c'est... Ah, oh, mais t'es d'accord que t'es un grand fan des Nordiques ou quoi? Un petit peu, beaucoup. Mais j'ai... Oh, bye, Abby. Thank you so much. I'm sorry, Abby, we spoke French today. There's just a lot of French people. But, listen, I do appreciate it. And you're a queen. Stay queen, stay positive. People are appreciative and people are grateful. And I think Abby is a sweetheart. Guys, if you don't follow Abby, please do. She deserves it. C'est une joke, je suis legit 5 pieds 5. Pour vrai? Quand même. Yo, je fais 5 pieds 4. Fait qu'on est pareil, moi, putain. Sauf que moi, j'ai 31 ans, putain. Je sais pas quel âge que t'as, mais. Moi, je grandirai plus, là. C'est fini, moi, là. C'est fini, c'est mort. C'est le chien est mort, là, tu comprends? Le chien est mort. Qu'est-ce que je veux dire par des papiers fans? Oh, tes parents? Shit, man, shit, tes parents. Hein? Ouais, je comprends, tu sais. Qu'est-ce qu'on va faire? A little bit of crystal light? J'ai peut-être grandir un jour. Mais là, t'as encore le train, là. T'as encore le temps, man. T'as encore 3-4 ans, man, pour grandir. Après, c'est fini, là, mon homme, c'est fini après, là. Après ça, c'est le. Tu mets le. Tu sais, la part des maisons, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont prendre l'enfant. Ils vont le mesurer sur le mur, là. Tu vas prendre un crayon. Tu vas dessiner une pierre tombale. Hein? La mort de ma croissance. T'as des funérailles. T'as ta soeur. T'as-tu une soeur? T'as-tu un frère? Ils vont pleurer. En vrai, t'aurais dû grandir un peu plus. Je suis tellement triste pour toi. Moi, être petit, ça nous aide à te prier. Bro, je te sers la main, man. 100%, là. 100%. Écoute. Yo, c'est yo, imagine que tu serais beau, que tu serais grand, que tu serais sportif, même t'aurais tout. Tu serais proche à mort, là. Tu serais proche. Tu serais comme l'autre tata, là. Tu serais comme l'autre cave. Imagine. Non, t'es petit, man. T'as bien une personnalité, puis là, faut que tu te démarques. Puis comment tu te démarques? Ben, attends toi-même. Fait que des gros props, mon homme, des gros props. Puis c'est bien que tu vois ça comme ça, parce que. M'excuse. Ça m'a pris du temps à voir ça, moi. Genre, ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était un outil et non, malheureusement, quelque chose qui m'est arrivé. Comme hyperactivité, j'ai passé la moitié de ma vie à penser que c'était un défaut. Mais tu comprends?
Pas pour rien? Ouais. On se comprend. On se comprend, mon bread. On se comprend. Ça n'a pas de sens, là. Mais, tu sais. Je regarde. À la fin de la journée, man, c'est quand même fou que tu vois la même situation. Puis c'est drôle parce que, genre, moi, j'étais assis maintenant. Fait que tu l'aurais pas vu que j'étais petit, là. Mais ouais, classe clan en masse, là. Mais pour les filles, c'est un peu plus difficile. Pour les filles, là. Pour les filles, c'est un peu plus difficile. Ils vont dire, oh, mais je regarde quelqu'un. Genre, je cherche quelqu'un d'un petit peu plus grand. C'est Chris, qu'est-ce que je fasse? Mais ça fait pas que ça, man. J'ai petit drôle, puis average look, wise, fait au moins, je suis. Ouais, nice. C'est important, man. C'est important. Puis pour, man, parce que ça. Un moment, ça va te manquer, man. Ça va te manquer. Mais t'es à l'école, quoi? T'es à l'école, t'es secondaire, sûrement secondaire. Fait que sauf au moins mon humour carré. Oh, ouais. Ouais, tu comprends? Mais yo, puis justement, man, c'est comme un. Je vais pas être méchant, man, mais c'est comme un aveugle, tu comprends? L'aveugle en tant que tel, là. Il est né comme ça, mais son test, son odorat, son ouïe, son goûter, son toucher. Mais je m'excuse. Il est mieux, là, pis c'est parce qu'il était aveugle. Là, ce que tu choisirais. Pis c'est pas parce qu'on s'entend que pour dire que t'aurais le choix d'être grand, beau, athlétique, tu le ferais. Right? Mais c'est quand même des belles cartes que tu t'es donné, là. T'avais pas que ça. Avec ça. Surtout plus tard dans la vie. Plus tard dans la vie, tu auras plein de chances, là. Faut juste pour maintenant. Parce que je te dis, mon homme, en moi, toi, là, après secondaire, là, c'est fini, man. C'est fini. C'est beaucoup plus difficile, man. Ça dépend, si tu vas au cégep, si tu vas à l'université, là, peut-être. Peut-être que tu vas pas, mon homme, mais sinon, là, oublie ça, là. C'est difficile en esti, là. Tu comprends? T'es prophétisant maintenant, man. Tu sais, moi, je veux t'aider, là. Regarde, moi, je suis comme toi, là. Je suis petit, average looking. Under average looking, là, tu comprends? Fait que si je peux t'aider, man, ça me fait plaisir. Parce que t'as l'air d'un bon gars. Nous, on a l'air d'un bon gars, Brad. Puis je suis content que c'est un autre Québécois, je suis content que c'est un autre gars de un petit gars de Lévis, là. Bon, des parents un petit peu, qui vivent sur le rêve, là. Le rêve nordique 95, là. Avec le, Joshua, thank you for the like, appreciate you. Avec le petit rêve de référendum 95. On se voit demain, les Québécois. Tchou, 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 tam, tchou, tchou, pam, 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 pam. J'ai que c'est tâche. Que cet âge, que c'est fâchant d'être petit, c'est au foot, pis ok, ouais. Mais tu sais, en passant, tu sais, genre, au hockey, vous êtes plus triste, mais genre, au hockey, tu vas être plus rapide, tu vas être plus, autofoffulé. Tu prends, regarde, je veux dire, c'est triste à dire, mais regarde, pense à un char quand tu parques un char, tu comprends? Le plus grand que ton char est parqué, le plus ça prend l'espace, tu comprends? Le plus que c'est difficile de parquer. Mais le plus petit que ton char passe, le char va passer à n'importe où, tu comprends? Puis au foot, c'est difficile, mais au foot, tu peux avoir des mains fous, mon homme, là. Tu peux avoir des mains fous, tu peux avoir un lancer incroyable, là, tu comprends? Fait que, ouais, c'est sûr que, question sport, c'est sûr que c'est pas le fun. C'est sûr que c'est pas le fun, mais regarde, moi, je veux dire quelque chose, man, le monde, ils vont constamment pas nécessairement te rabaisser, mais ils vont constamment te underestimate, tu comprends? Ils vont constamment dire, ouais, mais lui, il est pas fort, lui, il est pas fort parce qu'il est petit. Puis tu peux leur prouver tort, c'est peut-être la recette secrète, tu comprends? Tu regardes des grands gens comme Achille. Historiquement parlant, Achille était petit, man. Achille, il était petit en esti, là. C'est quelque chose que le monde savent, mais il était petit, là. C'est vrai? Tu regardes Michael Phelps, qui est le meilleur canadien. Mais il y en a une pas pire, là, maintenant. Il y en a une qui a remporté 3 étoiles. Tour du chapeau, je pense. Mais Michael Phelps, tu regardes, là, il y avait une malformation. Ça l'a aidé, man. C'est pas comment les cartes qu'on t'a données. Faut jamais que tu penses que c'est les cartes qu'on t'a données. Faut jamais que tu y penses. Brad, parle pas. C'est un imbécile. Ça sert à rien, man. Là, tu vois qu'est-ce qu'il fait. Regarde comment il est désespéré, Brad. Là, the guy is coming to talk to me, right? And he's coming to talk to me and he see I don't react. Right? And he see that I don't react. He said, oh, I'm gonna go on your profile, dude. Oh, bro, I'm gonna be on this page, nothing special. The guy, you see that I don't have a reaction to what he does, he goes to see you. So don't pay attention, bro. Don't pay attention, be you. Talk with me, bro. It's only me and you, dude. Tu comprends? La fille de 17 ans, elle a âgé 3 000 ans. Mais c'est quand même incroyable. La fille, c'est un amour, là. Elle est arrivée, elle a donné une médaille. Puis là, le monde était fâché parce qu'il lui a dit, oh, mais la médaille. Ok, fait que la médaille en tant que telle, là, c'est la médaille qui dit, hey, tu passes les Olympiques. Tu comprends? C'est pas une médaille olympienne, là. C'est une médaille qui dit, tu passes les Olympiques. Elle donne à une petite fille. Puis le monde dit, yo, tu donnes pas ça, c'est important. Mais la petite fille, là, qui a reçu la médaille, là,
C'est peut-être la prochaine Olympienne, tu comprends? C'est peut-être ça la prochaine, là. Je suis en train de prendre. Oh, congrats, Maddie. Congrats. Congratulations, Maddie. Fuck yeah. Celebrate the new The Way the Night Hides Cards, PTV, Psalm. Oh, and Religious too. That's awesome. C'est super, super nice. Où es-tu né? Je suis né à Montréal, Québec. D'où l'accent. Ça fait souvenir à la vie. Ouais, tu comprends? Yo, cette fille-là, elle va jamais, jamais oublier ça, man. Puis, tu sais, et moi, je te dis la vérité, man. Si ça regarde bien, là. Mais je comprends pas pourquoi le monde était fâché. J'aurais compris. Écoute, si tu gagnes une médaille d'or, c'est moi qui. Je comprends un petit peu. Je comprends un petit peu, mais là, c'est une médaille de préparation, là. Puis, la fille, elle a quand même gagné 3 médailles. Tu comprends? Tu regardes des gens comme Eugénie Bouchard, man. Eugénie Bouchard, là, je m'excuse, mais elle n'a jamais rien fait pour le Montréal. Là. Elle n'a jamais rien fait, mon homme. Là. Il y a toujours mon. Yo. Je comprends. Mais je sais, man, je sais. Regarde, moi qui m'a fait vraiment, vraiment chier, là. En mode, tu man, j'étais un fan de hockey, mais Piqué Subban, ici, là. Ils l'ont traité comme la merde, Piqué Subban, là. C'était terrible. Le gars, man. Oui, je comprends qu'il était difficile en. Je comprends qu'il était difficile dans la salle d'entraînement. Je comprends ça. Tu comprends? Je comprends qu'il était triste. Mais à la fin de la journée, man, parce que le gars, il aimait Montréal vraiment, là. Le gars, il était dans les Panthères, je pense. Je me rappelle plus. Il a changé d'équipe. Il est arrivé à Montréal, à Sainte-Justine. Il a apporté le. Fait que même, je sais pas les apps. Salut Marie, comment vas-tu? Ça plaisir, Marie, enchantée. Nashville, wow, ouais, prédateur de Nashville, c'est ça. C'est ça, mon gars, c'est ça. Marie, you gotta follow. T'as l'air super fine. Ça fait plaisir de te suivre. Oh, est-ce que j'ai cliqué le bon bouton? Ok, good. J'ai cliqué le bon bouton. Ouais, mais regarde, Piqué, là. C'est un bon gars, man. Puis ça regarde maintenant les Habs. Comment ils jouent les Habs maintenant? C'est qui ton équipe préférée? C'est-tu les Oilers? Les Maple Leafs de Montréal? Les Maple Leafs de Toronto? Les Oilers de Edmonton? Qui t'aime? Puis le football, man. Les Leafs, nice. Tant que c'est pas Boston, là. Fuck all this. Parce que Boston, ils peuvent manger ma graine. Ellie, thank you for asking nicely. I don't take people in just because I had a lot of trolls in the past, but I do appreciate the question. You get a follow. I'm sorry. I wish I could invite you, but because of a couple people, everybody's gonna suffer. But do know that it's nothing against you. It's nothing personal. It's just me being careful. But thank you for asking, Ellie. Appreciate it. Boston est. Bro, Boston, mais. C'est la rivalité, là. C'est la rivalité, man. Yo, t'es là, là, mon gars, Brad. Je suis content de t'avoir rencontré à toi, man. Imagine si t'étais pas là, man. Ça aurait été un live de merde, là. Mais tellement de merde, là. Je sais. Ça fait comme 40 minutes qu'il est là. 40 minutes. 40 minutes, pis y'a rien à faire, là. C'est triste. C'est triste. Yo, pis tout le monde s'en calisse, là. C'est dommage qu'il y ait du monde qui écoutait, puis ils ont vu ça, puis ils ont dit, bon, c'est un négatif. C'est parti. Mais Brad, toi, t'es un real, man. Toi, t'es resté, man. Puis j'apprécie beaucoup, Brad. T'as mis la soirée, man. T'as mis le live. T'as fait le live vraiment nice. Parce que si c'était pas toi, Brad, là, if I only had this guy, bro, and only had this guy talking his shit. C'est vrai? Ça aurait été un massacre, là. Massacre à la tronçonneuse, mon homme, là. Got a text. Got a, But he's thinker. Okay, good. If I had to choose anybody in fairy. Nice. Mais j'apprécie. Mais non, c'est parce que je le crois, man. Je le pense. Parce que sincèrement, man, you kind of save the life. Honestly, Brad, don't take it as pressure. I'm not trying to pressure you, bro. But if you weren't there, I would have ended life about 20 minutes ago. 20 minutes ago. The guys, on va tout follow Brad. Parce que c'est un petit ange, cet enfant-là, c'est un petit ange. Pourquoi je te suis pas déjà? Ah, parce que t'es privé, man. T'es privé, c'est vrai? Mais yo, mais si tu m'as vraiment... 16 hockey, I'm 31, dude. Let me guess, you're 16? How did I guess? Sometimes, dude, sometimes. I impress myself. À quoi tu penses de quelques Québécois qui veulent partir du Canada? Écoute, je pense qu'on est tous libres de faire qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Tant que toi t'es heureux, tant que toi tu fais qu'est-ce que toi tu veux, c'est ça l'important, man. L'important, c'est juste que tu sois heureux. Puis être heureux, c'est ici, c'est pas où est-ce que t'habites. Moi, je suis chanceux, la ville où est-ce que je suis né, c'est une belle ville.
c'est une ville qui va sûrement mourir. J'adore ma ville, mais sincèrement, là, c'est une question de bonheur. Puis c'est aussi une question d'enfant. Tu veux élever tes enfants où? Tu veux élever tes enfants dans une place qui est safe, qui est sécuritaire, qui a une bonne école, qui a une bonne réputation. Ça joue aussi, tu comprends? Ça joue beaucoup là-dedans. Psychic Power, yo! No problem, bro. No problem. Yo, but Psychic Power en esti, man. Puis si on prend, the guy is not gonna stop, là. And tomorrow, you wanna know something, Brad? Tomorrow, the guy's gonna be here. The guy's gonna be here. C'est bon, regarde, yeah, yo, aujourd'hui, man, on a fait 45 minutes. Yo, Brad, you're not gonna believe me. Tu comprends pas, man. Brad, tu me comprends pas, man. Tu comprends pas. Tu comprends? J'ai fait 45 minutes, ok? Normalement, 45 minutes. Normalement, quand je suis chanceux, normalement, j'ai genre 250 personnes. Tu comprends? Aujourd'hui, je te le jure. Je te le jure sur mon honneur, man. Sur mon honneur. 488, là. 488. C'est incroyable, là. C'est du jamais vu. J'ai jamais eu ça, man. En 45 minutes, là. Parce que le live, il y a beaucoup de monde qui parle. Il y en a qui parlent pour rien dire, mais il y en a qui parlent pour quelque chose. Ouais. Fait que gros merci, guys. Gros merci. Non, yo, quand même, là. Quand même, man. Puis j'étais comme, wow. Et au début, j'aurais pu juste. Faut s'en faire une bread. J'aurais pu juste le kicker, man. J'aurais pu juste le muter. Tu comprends? Mais ça sert à rien, man. Il m'aide. Puis regarde, bread. T'as l'air d'un bon gars, man. T'as l'air d'un gars solide. T'as l'air d'un bon chummy, man. T'as l'air d'un assez bon Jacques. Puis j'apprécie beaucoup, man. Mais t'as rien fait comparé à l'autre gars, là. L'autre gars, man, il a carry tout le long, là. L'autre gars, c'est le. L'autre gars. L'autre gars, man, c'est un gardien pas d'équipe, là. C'est un gardien, man. C'est un gardien pas d'équipe. Il y a pas d'attaque, il y a pas de gauche, il y a pas de droite. Pas d'équipe. Puis le gars, il a gardé la game, puis regarde, on a peut-être pas gagné la game, mais c'est que on s'est pas ramassé, là. Faut être ramassé. Fait guys, on va arrêter le live maintenant. Il y a un event sur Fortnite, il y a un event qui. Il y a genre un live event, je sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai aucune idée c'est quoi. Je voulais remercier Abby, Brad, je voulais remercier Ad, Iba, Zineb, qui sont venus, qui sont dit, on nous dit un petit coucou. C'est tard pour eux parce qu'on habitait au Maroc. C'est des habituels. C'est des habitués. Je m'excuse. Marie, un gros merci à Marie pour être venue super gentille, super, super fine. Brad, t'as été vraiment le MVP à soir, mon homme, là. Maddie, merci d'être là, j'apprécie beaucoup. Qui toi que je peux dire un gros merci? Un gros, gros, gros merci. Abby, of course, Abby. Comment j'ai pu oublier Abby, est-ce? Je pense que j'oublie personne, là. What the fuck is Judoka? Ok, pourquoi pas. Un gros shout-out. Un gros merci. Salim, il est venu porter un petit virgule, là, tu sais. Merci, mon chum. Merci, mon chum. Moi? Fait qu'il reste qui à Connor. Connor qui vient pour qu'il dise bonjour. J'apprécie tout le temps. Sur le fun. Pis ouais, man, je suis là tous les jours. Fait que si tu veux venir demain, man, Brett, t'es plus que le bienvenu, man. Vraiment passer vite, man. Yo, toi aussi, bro. Toi aussi. Pis yo, sincèrement, man, je te le dis, Brett, on s'est rentré à soir, man. Pis qu'est-ce que je te le dis, qu'est-ce que je le pense, man. T'as vraiment une belle énergie. Pis, yo, you're patient. You're patient because a lot of people, they left. When they saw the other asshole, they left. Tu comprends? A lot of people, they left and they were like, dude, fuck that guy, right? He's negative. I'm not gonna stay here. I'm not gonna stay in front of the film, right? But you, Brad, you stayed, bro. You stayed. You were strong. You were patient. You understood that it's not my fault. Tu comprends? Fait que pour ça, man, je suis un gros, gros merci, man. Un gros merci. T'es incroyable, mon homme. T'es incroyable. I'm gonna also say a big thank you to Bean. Bean, what a legend. Bean has been there for a couple minutes. Around 20. Which is out of the stream. Z, thanks for the follow. ZZ Toaster. Fait encore une fois, bye guys, on se voit demain. Même heure, fait qu'on va dire 8:30, 8:45. Pis yo, non, man. Ça fait plaisir, man. Toi, tu m'as diverti, man. Pis je te le dis, si ça serait pas toi, j'aurais fini le live il y a 20 minutes. Fait qu'un gros, gros, gros merci. On se voit demain, un petit peu plus tôt, 8h, parce que tu vois, d'habitude, j'ai beaucoup de gens qui viennent, je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de gens qui arrivent de Maroc. Fait que eux, ils vont me parler, puis eux, ils vont venir vers les 8 heures. Fait que j'aime ça faire un petit peu plus vers 8h30, 8h15. À soir, regarde, à soir, j'étais busy as fuck, là. Mais, regarde, c'était plus que bienvenue, Brad. Encore une fois, il n'y a aucune pression.
Tu sais quand c'est que tu veux, man. Tu sais quand c'est que tu veux, mon gars. Mais regarde, c'est une vraiment belle soirée. Puis là, j'ai de la misère à dire bye parce que c'est un bon moment, tu sais. Mais il faut qu'est-ce qu'il faut, tu sais. Puis, ouais, un gros merci. Fait que, passez une belle soirée, guys. On se voit demain. Puis, je vous aime fort. Au revoir. Au revoir. Train, could you at least pay my giveaway winner?